j'ai plusieurs passions dans la vie. Mm-hmm. Et en fait, moi, je suis très égoïste, hein, je vis de mes passions. Pardon, c'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, c'est des choix. Ça, c'est génial. J'ai la passion donc de la batterie, mm-hmm. j'ai la passion de la pédagogie, mm-hmm. et j'ai la passion de l'entrepreneuriat. Pas mal. Ouais. Pas mal le trio, hein. Répète sympathique. Ouais, et en fait, c'est trois passions-là qui construisent ma personnalité. Et quand on me connaît, on me connaît sur ces trois critères-là. D'ailleurs, on va en parler. Hein. Donc, on a parlé le côté musicienne. Ouais. Je continue toujours aujourd'hui. Hein, tu sais, oui. Je joue toujours. Je passe pas à la télé, c'est sûr. Mais je fais des trios. Alors, trio de jazz, jazz and lady avec des copines. Mm. J'ai beaucoup d'événementiel, en fait. Des fois aussi, on m'appelle pour me dire, Aïcha, écoute, tu fais quoi après-demain? Mm. J'ai un truc, 50 titres. Tu veux jouer? Ouais, t'inquiète, vas-y, 3-4, on y va. Ça? Ça, c'est le mot d'Aïcha. 3-4, on y va. Ah, non, mais bien sûr, c'est bon. Non mais parce que j'ai tellement développé l'oreille quand j'étais petite et en fait des fois même des morceaux que je connaissais pas du tout, il suffit que j'écoute une fois, ben voilà, après ça rentre et puis après j'essaie de broder parce que quand on connaît la batterie après on peut broder, tu sais, faut juste capter les pêches et machin. Moi j'ai développé en fait cet instinct de moi ma spécialité c'est d'être vraiment dans le feu de l'action. Des fois mes copines ou les gens avec qui je joue m'ont dit on fait ce morceau. Tu connais ? Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Lance... 3-4, on y va. Ah, mais en général, elle lance leur truc. Après, on comprend. Ah, mais d'accord. Bon, c'est un truc gros. Oui, funky. Ah, mais d'accord. Et puis, moi, je regarde beaucoup. Alors, c'est la première chose que je. Des fois, je refuse de jouer dans un groupe. Mm-hmm. Quand je vois qu'en répétition, il n'y a aucun contact visuel. Mm-hmm. C'est souvent les musiciens qui sont comme ça. Hein, moi, j'ai besoin de regarder tout le monde. Parce que justement, je suis dans la réactivité la plus totale. C'est une communication. Hein, ah oui, à fond. Oh là là. Bien sûr. Et voilà, mais voilà, donc je joue beaucoup aussi. J'espère de plus en plus. Là, je suis en train d'organiser ma vie justement pour reprendre le chemin de la scène. Ouais. On stage. Aïcha on stage. Ouais. On va dire ça comme ça. Voilà.